Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire le lien un petit peu entre plein de notions et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand un système évolue par exemple. Et surtout on va comprendre qu'on ne peut pas étudier tout type d'évolution, en tout cas que ça devient extrêmement compliqué. Donc déjà je vais te donner des notions et tu vas essayer de réfléchir à est-ce que pour toi c'est logique la manière dont je les classe. Donc par exemple, tu vois, je peux ici écrire pression, on en a parlé de nombreuses fois. Je peux écrire également température et volume. Donc moi je mets pression, température et volume ensemble. Et de l'autre côté, je mets par exemple énergie cinétique. Je mets force et je mets vitesse par exemple. Alors, à ton avis, pourquoi j'ai classé ces deux choses-là comme ça, avec d'un côté pression, température et volume, et de l'autre côté énergie cinétique, force et vitesse? Alors, si ça ne te semble pas tout à fait logique, bien c'est normal. C'est vraiment un concept un petit peu fin, parce que on commence à rentrer dans comment est-ce qu'on décrit un système et à quelle échelle on regarde le système. Et c'est ce mot-là qui est le mot-clé, à quelle échelle. Tu vois que par exemple, si je prends un ballon, donc je dis que j'ai un ballon, hop, comme celui-là, et bien ce ballon, très facilement, je peux mesurer son volume, très facilement. Bon, il faut quand même des outils, mais tu vois, je vois son volume, je sens sa température et je sens aussi sa pression. Tu vois, quand j'appuie sur le ballon, je peux facilement savoir s'il est très gonflé ou pas. Et donc, s'il est très gonflé, a priori, il y aura une pression forte et j'aurai du mal à appuyer sur le ballon. Donc, tu vois, ça, c'est des données qui me sont facilement accessibles, on va dire. C'est des données qui relèvent de l'état du ballon à l'échelle macroscopique, donc à mon échelle. Donc, c'est ce qu'on va appeler des macro-états. Et tu comprends pourquoi du coup macro-états, parce qu'ils me sont accessibles relativement facilement à l'échelle macroscopique. Maintenant je reprends mon même ballon, ici. Oups, c'est pas vraiment le même, on va essayer de... Tiens, on va essayer quelque chose, on va faire ça... Hop. Comme ça. Hop, donc voilà le ballon. Et maintenant, eh bien, ce que je dis c'est que finalement... Dans ce ballon, comme tu sais, il y a des molécules, ou on va dire des atomes pour être plus simple. Il y a des atomes de gaz, comme ça. Et alors, ben, normalement, enfin, il n'y a rien qui m'en empêche, théoriquement, je pourrais compter chacun de ces atomes. Donc, je pourrais dire, donc si je reprends ici, par exemple, lui, c'est le numéro 1, lui, je l'appelle numéro 2, lui, je l'appelle numéro 3. Bon, c'est pas du tout pratique, mais normalement, rien ne m'en empêche. Et ensuite, tu vois que pour chacun de ces atomes, je peux dire d'accord, et bien pour 1, il a par exemple une vitesse 1. On va plutôt le mettre comme ça. Il a une quantité de mouvement P1, il est à la position X, Y, Z, et voilà. Et lui, il est à P2 et il est à UVW en position. Et lui, il est à P3 et il est à ABC. Enfin bref. Et comme ça, sauf que tu vois que là-dedans, si on imagine que j'ai de l'ordre d'une mole d'atomes, eh bien, il faut que je fasse ça environ 10^23 fois, ce qui est à peu près une mole, tu vois. Donc là, ça nous fait bien prendre conscience que toutes ces données-là, qui sont simples, hein, on se dit « Ok, j'ai une particule, un atome, je mesure sa vitesse, je connais son poids, etc. » et tout, mais ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement complexe quand on doit gérer 10^23 entités, tu comprends? Et du coup, ça va vraiment donner lieu à ce qu'on va appeler ensuite, tu vois, une sorte de physique statistique, parce que c'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas suivre autant de mouvements, sachant qu'en plus, c'est des mouvements qui dépendent les uns des autres. Parce que, comme on avait dit, lui, par exemple, il va taper ici, mais lui, il va taper sur celle-là, qui va rebondir sur celui-là. Enfin bon, là, c'est une photo. Mais les liens entre les photos, il se passe des mouvements extrêmement compliqués, des transferts de mouvements entre particules. Donc c'est un système où tout est lié. Enfin, donc voilà, donc c'est pour ça que par la suite, on va plutôt faire de la physique statistique où on va utiliser des moyennes, des distributions qui nous aident à décrire un système aussi complexe que celui-là. Et donc, bien comme tu t'en doutes, tu vois qu'ici, on a parlé de choses qui finalement traduisent le système au niveau atomique presque. Donc, nous on va dire microscopique, même si je suis d'accord que c'est pas vrai parce qu'un atome c'est bien plus petit, mais donc on dit que c'est finalement relatif à des propriétés microscopiques du système en opposition à macroscopique ici, et on appelle donc ça des micro-états. Donc voilà, les deux concepts importants que je voulais t'introduire ici. Macro-état, donc c'est la pression, le volume, la température, qui eux vont être relatifs d'un état que je peux facilement sentir, voir, etc. Alors que les micro-états, eux, traduisent un mouvement, enfin un état d'un grand nombre de particules et relativement dur à observer, si tu veux. Et tu vois, ce qui était rigolo, c'est que, bien évidemment, comme tu t'en doutes, les gens dans l'ordre de la physique ont commencé à traiter les macroétats. Même quand on ne savait pas ce que c'était un atome, même quand on ne savait pas pourquoi le ballon il était gonflé, eh bien, on pouvait mesurer son volume, sentir qu'il était plus ou moins chaud et sentir qu'il était plus ou moins tendu. Donc tu vois, ça demande, enfin, c'est vraiment arrivé après l'étude des microétats, quand on a découvert que finalement, eh bien, la pression, elle était due à des petits mouvements de particules qui tapent partout, et que la température, eh bien, ça traduisait une certaine énergie qu'avaient mes particules de pouvoir bouger, etc. Mais finalement, tu vois, toute cette partie-là est arrivée bien après pour décrire et expliquer d'où viennent les macroétats. Donc c'est vraiment ça, les microétats te permettent d'expliquer la réalité physique des macroétats, si tu veux. Et alors maintenant, je vais introduire un deuxième mot extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Eh bien, tu vois, ici, si je prends mon ballon, il est gonflé, on va dire qu'il est gonflé depuis 10 minutes, le volume ne change pas, la température non plus, et la pression non plus. Eh bien, je dis que mon ballon ici est à l'état d'équilibre. D'équilibre thermodynamique, on dit aussi, mais on peut simplifier en équilibre. Et alors ça, c'est un mot hyper, hyper, hyper important. Et hyper important parce que tu vois, ces concepts de macroétat-là, donc de volume, de température et de pression, eh bien ils ne sont définis, ou on va plutôt dire ils ne sont bien définis qu'à l'état d'équilibre. Et alors l'équilibre, c'est l'équilibre de quoi? Bien justement, c'est l'équilibre de tout ce qui se passe à l'état microscopique, c'est-à-dire qu'on a atteint finalement ici un mouvement moyen qui donne une température qui finalement, enfin la moyenne, la température si tu veux va refléter la moyenne d'énergie cinétique, la pression, la moyenne des forces exercées sur la surface et le volume découle de tout ça. Mais donc tu vois que finalement ça traduit vraiment un état d'équilibre les macroétats et que quand tout bouge, quand par exemple je suis en train de gonfler le ballon, eh bien je peux pas dire quel est le volume, je peux pas dire quelle est la température et encore moins quelle est la pression. Et tu vois c'est vraiment ça le point vraiment fondamental de cette vidéo qu'il faut à tout prix que tu retiennes, c'est que l'état d'équilibre te permet de définir les macroétats et que sans état d'équilibre, eh bien tu ne peux pas définir de macroétat. Donc si tu es hors équilibre, tu dois étudier le problème sous forme de microétat et c'est quand même beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc pour mieux expliquer ça, on va faire un autre petit exemple. Alors on va monter comme ça, voilà. Alors dans cet exemple-là, on va prendre un piston. Donc on va prendre un piston, hop, comme celui-là. Alors on va dire qu'on est dans l'espace. Donc si on est dans l'espace, tu es d'accord avec moi, on est dans le vide. Et donc on a que la pression extérieure est égale à 0. C'est un grand P. Pression égale 0. Donc voilà pour ça. Alors, donc on va dire qu'on a un piston. On a dit, donc hop, comme ça et comme ça, mon piston. À l'intérieur, eh bien, j'ai plein de particules de gaz. Donc on va dire que c'est des atomes, pour faire simple. Et donc, bah oui, comme c'est un piston, bien évidemment, il peut monter et descendre, ce piston. Alors, donc, comme tu sais, chacune des petites molécules-là a son petit mouvement, taper ici comme ça, je bouge. Finalement, de telle manière à ce qu'il y ait une certaine pression qui s'exerce sur chacune des parois. Alors, bon, on va dire que c'est un cylindre, mon truc, tu vois, là, c'est une vue de profil. Et donc, finalement, tu vois, la pression sur cette paroi, c'est la même que sur celle-là, que sur celle-là, que sur celle-là, celle qui est devant moi, etc. Et donc, bah, pour contrebalancer cette pression-là, ce qu'on va faire, parce que tu vois que si on la laisse comme ça, bah, y a des chances que le piston y remonte, et nous, on ne veut pas. Donc on va prendre quelle couleur? On va prendre du jaune, du orange. Et donc là en fait on vient mettre deux masses comme ça. Et alors ces deux masses, on les a bien choisies de telle manière à ce qu'elles contrebalancent exactement la pression. Donc finalement on va dire qu'on a, voilà, on a le poids des deux masses qui est égal à la pression. Et donc, pression. Donc voilà, on a mis nos masses, ça compense parfaitement la pression. Finalement, donc, le piston ne bouge plus et on a atteint ce fameux état d'équilibre thermodynamique. Et donc, eh bien, comme j'ai ce fameux état d'équilibre, je définis donc ma pression, je définis mon volume et je définis ma température. Donc ça, on va appeler ça l'état numéro 1. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire bouger tout ça. Donc on va, hop, on va faire comme ça. Hop. Donc ici, comme ça. On va le mettre un peu en haut comme ça. Alors on va effacer le 1, comme ça, comme ça. Oula, j'ai effacé un petit bout de ma paroi. Voilà. Et alors maintenant, en fait, ce qu'on fait, donc à cet état numéro 2, eh bien, en fait, on évapore, vraiment, on enlève très rapidement une des masses. Et alors, bien évidemment, on imagine que le piston, le poids est bien réparti partout ici, hein. Donc celle-là, si tu veux, le piston ne va pas se mettre en biais comme ça. Donc finalement, ben là, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que le poids ne va plus exactement compenser la pression. Et donc, en fait, le piston va se mettre à osciller. Et bien, en fait, justement, donc, mon piston va se mettre à osciller. Donc, il va venir ici, puis là, puis ici. Parce que tu vois que finalement, les atomes ici, ils vont pousser plus fort que le poids de la masse. Donc, il va y avoir un moment, si tu veux, où tout va être extrêmement compliqué, où par exemple la température va être plus faible ici que là, ou l'inverse, je ne sais pas trop dans quel sens, le volume va changer, la pression elle aussi, parce que comme l'air total va augmenter, eh bien la pression va pas arrêter de diminuer, d'augmenter, etc. Et donc il va vraiment y avoir un mouvement d'oscillation, et en fait qui va traduire vraiment des fluctuations. Et donc, tu es d'accord que fluctuation et oscillation, bah, c'est pas du tout compatible avec état d'équilibre. Sauf que si tu attends, donc ça c'est vraiment à l'état T0, et si tu attends en fait à l'état T supérieur à T égale 0, on va dire, très supérieur à T égale 0, eh bien on va retrouver un état d'équilibre après. Et donc par exemple, si j'agrandis par le bas, tu vois, c'est plus simple, comme ça j'ai pas à tout redessiner, bah en fait le volume il aura un petit peu augmenté comme ça, tu vois. Il aura un petit peu augmenté et du coup bah on aura bien changé d'état et à partir de ce moment-là, bah je pourrais recommencer en fait à définir un nouvel état d'équilibre 2 qui aura P', V' et T'. Et ce qui aura changé. Mais ce qui est compliqué, tu vois, c'est que c'est à T égale 0, au moment où j'enlève la masse, eh bien, il se passe plein de choses et c'est hyper compliqué à traiter. Alors là, si on fait un petit peu de place pour te parler Donc si on fait un petit peu de place comme ça, on peut tracer un petit diagramme, tu vois, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Donc je trace un diagramme comme ça. Ici, par exemple, je mets la pression et ici, je mets le volume. Et comme en fait, tout mon système est clos, on est d'accord qu'on a PV égale nRT, ça qui est constant, donc finalement la température dépend des deux autres. Donc ça ne me pose pas de problème. Donc ici j'ai mon point 1 et ici j'ai mon point 2 par exemple. Donc ça je le sais parce que tu es d'accord, on a dit que 1 c'était cet état d'équilibre là et 2 c'était cet état d'équilibre là. Donc je peux bien définir dans mon diagramme PV le point 1 et le point 2. Sauf que ce que j'ai dit, c'est que entre les deux, tu es d'accord, il n'y a pas d'état d'équilibre parce qu'il y a un moment de fluctuation. Et du coup, je ne peux pas définir à chaque instant la pression, la température et le volume. Donc tu vois, par exemple, moi j'aimerais bien dire, par exemple, ça fait comme ça. Ou par exemple, ça fait comme ça. Mais en fait, ça, je peux pas. C'est pas vrai. Je peux pas du tout définir de chemin. Je peux définir l'état initial et l'état final. Et sinon, la seule chose que je peux faire, eh bien, c'est étudier les micro-états, donc étudier la façon dont les particules bougent. Mais je peux pas définir de macro-états entre 1 et 2 Et ça, c'est parce qu'on est hors état d'équilibre. Et donc ça, tu vois, il faut vraiment que tu t'en souviennes, parce que dans la vidéo suivante, eh bien justement, on va parler de pourquoi est-ce qu'on s'est fatigué à définir ces états d'équilibre et ces concepts de micro-état, macro-état. Et c'est justement parce que on aura besoin toujours d'être dans un état quasi d'équilibre pour pouvoir calculer tout ça. Donc tu vois, j'empiète un peu, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des mouvements relativement lents et surtout pas de changement brutal dans un état pour pouvoir ensuite savoir à chaque instant quels sont les macro-états de mon système. Par contre, tu vois, à chacun des moments intermédiaires entre 1 et 2, si je voulais, je pourrais théoriquement décrire les micro-états. Donc je pourrais par exemple faire un diagramme où je suis la particule 1, disons qu'elle est là, et qu'elle termine ici, à l'état 2, donc ma particule 1. Et je pourrais tracer un diagramme de sa position, de sa vitesse, etc., des forces qu'elle subit. Tu vois, donc ça, théoriquement, c'est possible. Donc ça veut bien dire que les micro-états, eux, sont toujours définis, même si ton mouvement est brutal, même si tu es hors état d'équilibre, alors que les macro-états, eux, ne sont définis qu'à l'état d'équilibre ou à l'état de quasi-équilibre. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là et on continue dans la suivante à parler justement donc, de ces états quasi d'équilibre.